Need to slow down, but homie, I'm just living my life. Ain't gonna do what you think is right, cause that's messing me out. They're telling me they know what's best, but will I care? Salut à toutes et à tous les amis, c'est Captain V, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne YouTube pour faire un hard reset sur un téléphone Samsung Galaxy A21s. Donc pour ce faire, vous venez le brancher sur un ordinateur avec son câble de chargement. Donc là, il ne se met pas à charger, donc je vais devoir tout simplement débrancher. On attend et on rebranche. Il faut vraiment que le téléphone se mette à charger pour que ça fonctionne. Donc là, c'est bon, il y a le logo de charge qui apparaît. Et je tiens à préciser qu'il faut vraiment le brancher sur un ordinateur allumé, car si vous le branchez sur le chargeur secteur, sur une prise électrique, ça ne fonctionnera pas. Donc maintenant, je déverrouille le téléphone, j'appuie sur bouton power et volume moins indéfiniment. Ça va forcer le téléphone à s'éteindre. On laisse enfoncer. Et là, directement, le téléphone est éteint. Une fois que c'est marqué 77%, vous faites bouton power et volume haut du téléphone. On va aller dans le mode recovery et vous ne lâchez pas les deux touches tant qu'on n'est pas dans ce mode. Voilà, donc là, c'est bon, on est dans le mode recovery. Vous pouvez débrancher l'appareil si vous le souhaitez. Vous faites volume bas pour descendre, comme ceci. Si vous voulez monter, vous faites volume plus, hein, bien sûr. Et vous venez jusqu'à wipe data factory reset. Bouton power pour valider ça. Vous descendez en faisant bouton volume bas, ensuite rétablir la configuration d'usine. Et ici, vous faites reboot system now. Vous appuyez sur valider en bouton power et vous patientez 3 à 4 minutes. Le redémarrage va être assez long puisqu'il est en train de tout réinitialiser. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis de faire un hard reset sur le téléphone Galaxy A21s. Si ça a fonctionné de votre côté, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu sous la vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde!